Regarde ça, mon pote. Oh putain. Molly!
Tu t'y prends comme un manche. Ta corde est trop longue, mon pote. Tes pieds vont effleurer le sol. Tu vas chercher à prendre appui. C'est instinctif, tu vois. Tu vas créer un œdème facial. Ta langue va gonfler. Ton visage aussi. Tu vas virer au bleu, violet. Tes yeux vont s'injecter de sang. Et ta vue va se brouiller. Tu vas paniquer, mais tu seras pris au piège. Tu vas compter les secondes en te demandant « Mais putain, pourquoi je crève pas ?» Je te jure. Le truc, c'est que ça peut prendre un bon quart d'heure avant de crever. Qui sait ? Ton corps va s'épuiser. Ton cerveau aussi, par manque d'oxygénation. Tu vas entrer dans une phase d'anoxie cérébrale. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas paniquer, que tu vas entrer dans une phase de stress intense. Et t'es déjà bien anxieux, là. Je peux t'entendre déglutir d'ici. Tout ce reflux gastrique, là, ça va remonter le long de ton œsophage. Mais vu que ta trachée sera comprimée, ça va redescendre direct dans tes poumons. Alors tes bronches vont essayer d'expier cette merde en te faisant tousser. Mais ça non plus, tu pourras pas. Ça va rester coincé dans ta cage thoracique. Tu vas te noyer dans ta propre bile. Convulser. Souffrir le martyr. Tu seras épuisé. Tu voudras porter tout ton poids vers le bas pour que ça se termine vite. Mais t'en auras pas la force. Parce que tu seras juste un bout de bidoche qui se balance au bout d'une corde avec la merde qui lui coule entre les cuisses et une furieuse envie de survivre. Furieuse envie de survivre. Ouais, bonhomme. Une furieuse envie de survivre. Pas moi. T'avais dit que ta corde était trop longue. On a tous une bonne raison de se foutre en l'air. Je me fous de connaître la tienne. Je te connais pas, ça m'intéresse pas. La grande question, c'est de savoir qui est le plus lâche. Celui qui passe à l'acte, ou celui qui y songe sans jamais le faire. Celui qui se balance comme un con au bout d'une corde avec la bave aux lèvres, ou celui qui bave dans sa bière. Je vais te dire, gamin. Pour moi, le vrai lâche, c'est celui qui n'a jamais songé à le faire. La plupart des gens sont des cons. Ils te jugent du haut de leur ignorance. Ils te pointent du doigt avec ces ongles qui leur servent à se gratter le cul quand tu leur expliques quelque chose qui les dépasse. Tu sais ce qu'ils diront à ton enterrement ? On comprend pas. Ça te dérange pas si je te détache ? Ah!
T'as quel âge ? 28 ans. 28 ? C'est jeune. Purge ta peine, tu passeras à l'échafaud plus tard. Tu sais, je vais pas te mentir. Il y a aucune mort qui soit douce. Ça se finit toujours dans l'amertume, les larmes, la merde ou le sang. Je suis censé faire quoi ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu peux te noyer dans le mensonge. Trouve-toi un boulot qui te plaît. Trouve-toi une nana. Achète une maison, fais des gosses. Comble les vides jusqu'à ce que t'en aies plus la force. Ou alors, tu peux essayer d'y mettre du sens. Tu peux écrire, peindre, faire de la musique. Faire de la photo. Tant que tu restes du bon côté de l'appareil. On traque à quoi exactement ? Quoi, tu te prends pour qui ? Pour le bon samaritain qui vient de me sauver ? À ce que je vois, t'as les deux pieds au sol. À chaque jour suffit sa peine. Molly ! Molly, viens là. Je suis pas un lâche, moi. Moi non plus. Oh. Just a hellish rock and roll freak. You call your man.